Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos Heroes of the Storm. Et cette fois, un concept nouveau, inventé par moi-même. Enfin bon, c'est pas non plus un truc de fou. Cette série qui est nommée... Ah oui, c'est vrai. Aléatoire dans ta face. Et pourquoi est-elle nommée comme ça? Si vous n'avez pas lu la description, vous verrez qu'en fait, je vais prendre à chaque fois un personnage aléatoire. Et quel qu'il soit, je vais lui faire un build de dégâts et je vais essayer de gagner, bien sûr. Et de faire le plus de DPS possible. Alors, quel qu'il soit, donc si c'est un assassin, tant mieux. Bah, si c'est un tank, bah, je ferai quand même. Et puis là, par contre, si je tombe sur Lily, là, ça va pas être facile. Je pense que le plus dur, ça va être sur des gros tanks qui ont rien en dégâts, du genre, pas tellement en fait, à part Diablo. Là, par contre, si je tombe sur Diablo, là, ça va pas être facile. Hein, il va falloir monter les dégâts aléatoirement. Enfin, non, pas aléatoirement, indirectement. Donc, bon bah, quel que soit mon perso, je vais prendre tous les talents qui boostent les dégâts et je vais essayer d'assassiner. C'est pour ça que c'est dans ta face, tu vois. Parce que dans ta face, tu te prends l'aléatoire, mais dans ta gueule, mais direct, quoi. Tu vois même pas arriver. D'ailleurs, j'ai même pas vu la composition de mon équipe, je sais même pas sur quoi je vais tomber. Parce qu'en principe, quand on prend un personnage aléatoire, ça fait... ça nous prend une classe qui manque dans l'équipe. Par exemple, s'il manque un tank ou un support, ou s'il y a les deux, bah du coup, on a un spécialiste. Enfin bon, bref. Pas compliqué. Alors, sur qui va-t-on tomber? Bon, si je tombe sur un assassin, du coup, on n'a qu'à dire que bah, je booste que les trucs qui font des dégâts, quoi, parce que... mine de rien, il y a des talents d'assassin qui font pas directement des dégâts, je sais pas, moi, comme par exemple le bouclier anti-sort ou des saloperies du genre, qui sont derrière très bien. Et là, je vais tomber sur... Tyrande. Ah, bah ça va. Enfin, ça va. C'est faisable. Non, du coup, mes builds, ils vont ressembler à rien. Hein. Il y aura qu'une cohérence. C'est juste à chaque niveau, je vais garder un talent. Un endroit où il y a marqué dégâts, je vais prendre ça. Donc là, par exemple, marque du chasseur, ça peut faire plus de dégâts, mais c'est que des temps de recharge. Donc ça réduit le coup, l'impact. Donc là, bah, je suis obligé de prendre tireur d'élite vétéran parce que ça augmente les dégâts à l'attaque. Il y a marqué dégâts là, vous pouvez voir. Donc je respecte. Voilà. Je sais, c'est un peu nul sur Tyrande, hein. Je le sais. Il y a un build, enfin build auto-attaque sur Tyrande, c'est pas terrible. Hein. Tu peux faire des dégâts encore avec le stun, il est chouette, mais faut que tu auto-attaques. C'est sympa, ça fait des dégâts, je suis d'accord, mais c'est pas optimisé quoi. Mais bon, là du coup, là on s'en fout, c'est bon, on est pour le fun, là on n'est pas en classé non plus. Faut pas déconner, wesh. Oh, si c'est Prytral. Oh, oh, j'aurais pas aimé ça. Bon, du coup, on va essayer de farmer un petit peu, hein. On va voir ce qu'on peut faire comme dégâts. Avec Tyrande, il y a moyen. Ah, je suis pas tombé sur un truc trop mauvais, là. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être Diablo ou Lily. Malfurion, ça aurait été sympa, mais bon, j'ai déjà fait aussi. Bon, là, par contre, si j'étais tombé sur TQ, j'aurais dû faire un truc vitesse d'attaque. Ça aurait été pas terrible, mais bon. Ça aurait été sympa aussi. Tiens, tu bouffes ça. Voilà, Thrall, mais 1v1, je te défonce, Thrall. C'est le perso meilleur en 1v1. Mais... qu'il ait ses talents, parce que tant qu'il a pas ses talents, Thrall, ça après quand il a ses talents là, mais là 100%, quand il a son 100% et son poison là, tu fais plus rien, Thrall. Tu fais plus rien, même les tanks il les déchire, je crois. Il déchire tous les autres assassins, les supports, ouais aussi, et les soutiens, on en parle même pas. Sroz, elle a peut-être voulu dire sorry, mais Sroz, ah bah oui, Sroz, aïe. Et moi aussi je me heal, hein, y a pas que toi avec ton passif de merde là. Et d'ailleurs je vais aller boire un petit coup. Histoire de dire que je fais quelque chose quoi. Attends-nous. Bon. Ça y est, j'ai déjà un peu farmé hein. J'ai juste me contenter de rester en vie. Allez, marque du chasseur dans ta gueule. Ah, purée des vents, ça fait mal quand même. Thrall, c'est un des meilleurs persos du jeu pour moi. Franchement, depuis que je l'ai acheté, mais je déchire tout avec. Je ferai sûrement des vidéos avec lui. Ah putain, oui. Mais Zeratul, c'est de la triche. Ça, c'est de la triche. Tout simplement. Nous, on est Innova, mais c'est presque pareil. Mais ah, Thrall, il a plus beaucoup de vie, dis donc. Ils m'ont piqué toutes mes gemmes. J'en ai déjà 6, je crois. Ah, attends, je vais prendre le globe de vie, voilà, s'il te plaît. Alors, bah là, j'ai trouvé de prendre flèche de feu, hein.
Y'a rien d'autre. Ah si, y'a attaque concentrée aussi, mon flèche de feu, je pense que c'est un peu mieux. J'adore prendre le totem, mais bon là bah ouais. Eh ben bah, voilà, le totem ça fait pas de dégâts saillis, c'est nul. C'est nul pour l'optique de mon build, bien sûr. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'il fait notre amitral? Ah, ça va, il était pas en train de payer. Oh! Quelqu'un paye? Mais non! Ah bah c'est Thrall, d'ailleurs. Je te soupçonnais, toi. Mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir te tenir très longtemps. Merde, putain, j'ai fait flèche de feu. De toute façon, je voulais le faire, je me suis planté. Aïe, aïe, aïe. Il me met trop cher. Hein. En même temps, on me laisse tout seul contre Thrall. Pauvre support qui fait que dalle. Hop là. Non, vous pouvez... Ah si, j'ai chopé Zeratul. Ça, c'est cool, ça. Zeratul, c'est cool, 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 cool. Zeratul, c'est cool de... Non, je vais arrêter. Oh. Désolé. Alors... Oh tiens, attends, j'y pense, je vais peut-être baisser le son de mon jeu. Oui, j'ai un peu baissé, mais je vais le baisser encore plus au cas où. Parce que je sais, des fois c'est désagréable quand on entend le son du jeu trop fort et on m'entend derrière marmonner, mais on comprend rien ce que je dis. Ça m'arrive des fois. Voilà, tac tac tac. Il y en a pas un qui sera en train de payer là. Ah bah elle vient de payer, cool. Ouais, je finis cette vague et je pense que je vais aller payer moi aussi. Du coup... Ah bah ils sont défoncés là, bah c'est normal, en même temps on m'a laissé tout seul, mais moi je m'en fous, je farm mon talent niveau 1. Je farm... Oh putain. Lui il est là lui, il m'a pas oublié. Une flèche de feu dans ta face. Eh hey, j'ai fait mal. Écoute la marque là, putain, et il s'attendait pas à prendre si cher hein. Quand il rentre, je pense que je l'ai un peu surpris. Il m'aurait défoncé je pense, mais faut quoi que... Ah à la fin de flèche de feu j'aurais pas fait beaucoup de dégâts, mais il a pris cher quand même. Ouais, bah, voyons voir où est-ce qu'il en est. Mais c'est barré, hein. Alors, merde, là par contre, il y a rien qui augmente les dégâts, donc bah, je vais prendre porte augmentée parce que c'est basé sur le stud qui fait des dégâts. Hein. Je peux rien faire, je peux pas faire mieux là. Désolé, mec. Ah, lui par contre. Voilà. Eh bah oui, mais t'as essayé de me choper, mais tu m'as pas eu. C'est bien ça le problème. Mais c'est le problème, c'est que tu sais pas viser avec ton loup de merde. C'est pas parce que tu prends un fer sauf fumée que tu gagnes, hein, mon pote. Faut savoir le jouer aussi. Et moi je parle tout seul, je sais. Alors. Bon, sinon. Oh putain. Le stun qui m'a sauvé la vie. Quoique. En l'ancien temps seulement. Ouais, mais moi j'ai plus de vie. Je me soigne à peine. Le problème c'est qu'il doit y avoir Zeratul dans le coin, je le vois pas, mais je suis sûr qu'il est pas loin. Il me guette. Il me guette. Ah putain. Ah putain, il était là. Ah ouais, mais tu pensais que t'allais m'avoir. Tu pensais que t'allais... Mais t'es sérieux toi? Bon, je suis passé sous la barre, sous les barres de 3 points de vie, mais il m'a pas eu. J'espère qu'il se débrouille sur les autres lignes, je fais pas gaffe parce que moi je me fais un peu défoncer. Hein. En même temps, je suis un support, moi. Je m'en fous, j'allais avec mes alliés. Attends. On va peut-être aller au top, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Je gère pas vraiment tout seul. Hein. Je sais, je suis pas vantard, mais. Salut Zeratul! Mes flèches de feu, tu veux les bouffer aussi, toi? Allez, bouffe-les mes flèches de feu! Voilà! Comme ça! Bouffe ça dans ta face! Putain de furie des vents de merde! Bouffe mon stun, voilà! Toujours ça te fait. Et du coup. Je suis pas premier en dégâts de Roi, bah, on a une Nova aussi. Quoique Nova, ouais, ça pourrait faire. Ça pourrait en faire moins, elle se débrouille bien. Je ferais peut-être plus en faire partie, mais quoique Nova. Elle marque. Ah! Aïe aïe aïe! Ah bah je suis mort là, voilà, ça s'est fait. Nova aussi peut-être? Oui. Ah! Ouais, quand même, faut pas déconner. Jana s'est fait ses mercenaires pendant qu'on se fait défoncer, ouais. Bon, pas très bien engagé ce début de partie. Bon bah la météore, hein, ça fait des dégâts, là il n'y a pas de doute sur l'ulti à prendre. On va peut-être les tuer quand même, parce que c'est pas qu'ils sont chiants, mais ils sont chiants. Tu vois, t'as tout le bouffe ma chouette, voilà. Il s'est pas bouffé, mais ça lui a fait peur quand même.
Ah, notre histoire. Ah, on va peut-être aider notre ami Sylvanas. Bah non. Ah putain, bien. Bouffez mes météores on the face. Y'a personne pour m'aider. Putain, j'ai l'impression d'être tout seul, moi. Je veux bien suivre mon équipe, mais elle est nulle part. En même temps, on est une équipe un peu pourrie. Hein. On n'a pas de vrai assassin. Hein. Non. C'est une compo un peu merdique. Et là, si Nova le bon outil, elle pourrait balancer dans le tas, mais bon, je suis sûr qu'elle a pris la salve en plus. Ah non, ça va. Moi, je dis rien. C'est juste qu'elle est pas censée aider. Je vais aller au mid, hein, en bas. On va se faire défoncer. Je vais aller au mid avec Sylvanas. Ouais, elle est presque morte la tistoile. Youpi! Avec tout ce qu'ils nous ont pété, ce serait bien qu'on pète au moins, je ne sais pas moi, une tour, histoire de dire qu'on a pété quelque chose. Non? Bon bah je vais dire en bas alors. Ah, il donne. Boum, le stun. Ah, fois ma chouette. Ah merde, il est esquivé. Ah putain, non mais je prends les dégâts de la tour là, ça va pas par contre. Les flèches de feu dans la gueule du bâtiment, voilà. Je démontre. Allez, on va le finir lui au moins. Voilà. Je regarde si rien de... Merde, je vais pas la toucher, je voulais qu'elle s'aille plus loin. Allez, fais quelque chose. Ah, Nova. Ah ouais, mais pour... Si elle peut aller si loin de shot Zeratul. Si elle s'éloigne un peu. Non, mais elle peut pas, bon bah tant pis, on fait rien et on meurt, voilà, super. Bon, je suis pas très... Bon, on va dire que mon but c'est d'être le premier en dégâts. Quoi, elle est sérieuse elle? Balance son ulti. Balance son ulti pour faire les mercenaires, d'accord. Bon, Tral, on va se le faire au moins lui. Non? Bon bah non alors, tant pis, fuck it. Hein. Comme on dit chez nous. Ouais, bon voilà, ça c'est fait. On se fait complètement déchirer. C'est très simple, mon cher ami. Et bon, je vais garder la partie quand même, hein, parce que c'est la série, donc bon, voilà quoi, il faut montrer les hauts et les bas. Bon, on commence par des bas, c'est pas terrible, mais bon. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Quand on a un soutien, on peut pas non plus changer le cours de la partie, donc... qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, on pourrait tuer Zeratul aussi si on avait une bonne équipe, mais bon... Non mais Zeratul par contre, j'espère que t'as pas l'intention de t'en aller parce que... Merde, t'as plus de voulu faire. Mais par contre, tu vas pas me tuer, hein. Faut pas rigoler non plus, y a des limites, hein. Bon, qu'est-ce que je prends là, du coup? On va prendre une vitesse d'attaque augmentée lors du système du chasseur, hein. C'est le seul truc qui fait un minimum de dégâts. Bon, j'ai jamais pris ça dans ma vie, mais bon, essayez. Au point où j'en suis. Oh, je lui fais mal à Tral quand même. Oh putain, ça c'est joli. Elle, on se la finit aussi. On heal quelqu'un. On balance la chouette qui s'est magnifiquement loupée. Qui fait pas de dégâts la chouette d'ailleurs, enfin, à moins qu'on la up. Et si on l'a pas, elle fait pas de dégâts. Ouais, c'est pas la peine qu'on laisse les choper. Non, on n'y arrivera pas, c'est pas la peine, Nova. Bon, ça c'était pas mal, s'ils pouvaient en faire tout le temps des comme ça, on gagnerait facilement. Ouais, je vais choper les petites gemmes. Les petites gemmes. Ah, ils ont fait le camp du bot, super. On n'a plus qu'à se pendre.
Voilà, Nova Farm, bien, voilà, c'est comme ça, c'est ça ton job. Tout à fait. En avant. Ah, c'est bien d'accord, c'est qu'ils ont déjà pété toute la ligne du mid. Ah, on s'en sort bien avec les catapultes du coup, hein. Youpi. C'est la fête. Alors, inflige dégâts supplémentaires rendu mana, c'est pas mal, ça c'est... Ouais. Et les dégâts de signal, c'est sympa aussi. Mais j'ai pas pris tout qui traverse, donc ouf. Confère une aura qui compte les dégâts d'attaque. Ah, dégâts d'attaque. On va prendre ça, pour changer un peu. Au point où on en est. Ça, mais en fait, c'est, il est pas mal ce talent, j'ai jamais pris, mais... pas mal. Ah, Zeratul, là. Si quelqu'un est intéressé par Zeratul. Une fois, deux fois. Non. Non, il y a quoi qui meurt. Bon, bah non, il y a quoi qui meurt. Voilà, je vais crever. Voilà, c'est très bien comme ça. Pendant ce temps, Nova fait de la merde. Ouais, il défend contre le boss, c'est pas mal aussi. Mais Sylvanas, mais viens avec ton équipe, s'il te plaît, là. Oh là là. Oh là 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 là. Et push, ouais, d'accord, mais bon, nous on se fait rouler dessus en attendant, c'est pas Zagara, donc il faut que ça moi push bien quand même. Bon. Oui, mais on a perdu. Si elle vient pas défendre. C'est ça l'ennui. Elle va pas arriver à. Jusqu'à l'idole avant qu'il gagne, quoi. Surtout qu'ils ont le boss, quoi. Aïe 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 aïe. On se fait rouler dessus. Comme si c'était des camions. Ça va qui. En fait, non, ça va pas. Ah là là, et bah voilà. Regardons les dégâts. Je suis même pas premier. C'est la voiture qui m'est passée devant. Enfin, qui est passée devant Nova, qui était devant moi. Mais je suis devant Sylvanas en dégâts de héros. En même temps, elle a fait que push. Ouais, super, c'est super utile. Là, t'as vu, on a gagné là. Ah, il est marqué. Victoire. Là, c'est caché par l'écran parce qu'il y a un bug, mais il est marqué victoire en fait. Bon, et bien, j'espère que cette première partie vous aura plu. Je vais vite faire une deuxième partie. Dans une prochaine vidéo, afin qu'on reste pas là-dessus quand même, parce que c'est un peu triste, hein, faut dire ce qui est, et là, je vous promets que je vais essayer de mieux faire pour la prochaine partie. Allez, à plus !